De cette semaine est basée sur son origine et ses fonctions. Depuis le début de l'homme sur la terre, le règne animal lui a offert sa protection. L'homme a développé son intelligence en inventant l'outil de pierre qu'il spécialise peu à peu, en l'intégrant à chaque acte de sa vie quotidienne. Façonnée par ses mains, la pierre se transforme en statuette, menhir, dolmen ou amulette, etc. L'homme est ainsi le pionnier de la lithothérapie depuis environ 15 000 ans. Les Mayas, les Incas, les Aztèques utilisaient les cristaux pour diagnostiquer les maladies et pour les soigner. Leurs bijoux étaient ornés de pierres précieuses dotées de pouvoirs magiques. En Chine, en Égypte et en Inde, le symbolisme des minéraux s'organise autour des pyramides, des temples et des bijoux précieux. En Inde notamment, on attribuait à chaque enfant, lors d'une cérémonie religieuse, une pierre astrologique de protection. Les Égyptiens, par exemple, associaient la pierre de lune à l'amour. Alors, la pierre de lune, je vais vous en montrer une. J'en ai une petite. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. La cornaline. Alors là, on en a une grande. Une feuille de cornaline. Voilà. Hop. Mon petit ange. La cornaline, donc les Égyptiens associaient la cornaline à la puissance. La turquoise comme ça, à la prospérité. Ou encore le lapis lazuli, malheureusement j'en ai plus, à la vérité divine. En Chine, le jade, la jade, voilà, fait partie intégrante de la médecine, tandis qu'en Inde, les jeunes brahmanes étudient le symbolisme des minéraux dans le célèbre ouvrage, alors je vais essayer de ne pas l'écorcher, c'est Ratnaparikṣa, qui décrit leurs propriétés énergétiques. C'est au XVIIIe siècle que l'abbé Hoy découvre les sept systèmes cristallins et fonde la cristallographie. Sa magnifique collection de minéraux est encore exposée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris avec celle des rois de France. À cette époque où les minéraux sont couramment utilisés en médecine sous forme d'élixirs et de poudres, les connaissances scientifiques s'imposent peu à peu pour codifier et structurer l'espèce minérale au détriment de son symbolisme. Il faut attendre l'impulsion du mouvement New Age à la fin des 60s pour que l'homme redécouvre les vertus des pierres. Aujourd'hui, le port de bijoux ornés de gemmes n'est plus réservé uniquement à une seule classe sociale. Si les gens portent de plus en plus de minéraux, c'est peut-être qu'ils éprouvent le besoin, conscient ou non, de se relier à des énergies naturelles ancestrales. La lithothérapie réactualisée est une thérapie qui utilise les pierres et les cristaux de plusieurs manières et travaille essentiellement sur le plan énergétique de la personne. La lithothérapie ou le bien-être par les pierres peut se définir comme une méthode douce, comparable à l'homéopathie ou l'oligothérapie. Elle utilise l'énergie vibratoire des pierres pour réharmoniser l'équilibre corps-âme-esprit en travaillant sur les centres d'énergie du corps humain, les chakras, qui sont au nombre de 7. Ainsi, la thérapie par les pierres permet de libérer nos blocages émotionnels inconscients et d'agir au niveau du corps. L'énergie des pierres repose sur 4 caractéristiques. Leur composition chimique, leur structure atomique,
leur couleur en chromatothérapie et leur symbolisme qui est véhiculé par les inconscients collectifs. Les propriétés des pierres sur notre organisme et notre psychisme découlent donc d'une osmose entre nos deux espèces. Quelle est son application? Alors, les cristaux peuvent être placés dans des endroits stratégiques du corps, tels que les chakras par exemple, selon le besoin de la personne. Afin de profiter de leur rayonnement bénéfique, ils peuvent être utilisés comme support lors d'une méditation, être portés sous forme de bijoux, pentacles ou tels quels dans une poche. Ils peuvent également être administrés sous forme d'élixir. Une purification est généralement nécessaire avant d'utiliser de toute façon toute pierre semi-précieuse ou minérale. Mais comment les pierres peuvent-elles favoriser la santé? Alors, les pierres fonctionnent sur des principes de résonance, d'harmonie et d'oscillation. Les maladies, quant à elles, sont dues en partie à des blocages de l'énergie dans le corps. Les pierres précieuses, semi-précieuses et les minéraux ont la faculté de lever ces blocages et de laisser couler l'énergie vitale. Toutefois, il est une chose très très importante à préciser. Les pierres vous aident et vous assistent au cours d'un problème de santé, mais elles ne peuvent en aucun cas se substituer aux médicaments et au même titre ne remplacent pas du tout votre médecin. Voilà, j'espère que ce petit moment vous aura plu. À très vite, Cécile et Sandrine.